Ben merci hein, encore une fois d'avoir accepté l'invitation. Je suis contente de. En fait, vous Du coup. voyez pas, là, comme je t'ai dit, donc c'est l'idée, on va parler de l'archétype mercurien et du coup de beaucoup de l'archétype Gémeaux. Et quand je réfléchissais à qui est-ce que je vais prendre pour cet atelier, c'était mais d'une évidence absolue, si tu veux, que c'était toi, quoi. Il n'y avait pas d'autres possibilités. Je vais t'expliquer un peu pourquoi. OK. Déjà, ce matin, l'idée, on va pas du tout parler d'astrologie. Contrairement aux apparences, les gens, si tu veux, vont t'écouter et puis ils vont devoir deviner tes placements en t'écoutant vraiment dans la spontanéité. Et puis, bah, ce qui est intéressant cette fois-ci, c'est l'archétype mercurien. Donc, c'est surtout ton placement mercurien qui va être intéressant à découvrir. Donc, je vais essayer un petit peu, mais je pense que j'aurai pas besoin de beaucoup faire, d'orienter un poil les questions pour qu'il y ait quand même des éléments qui soient donnés pour que les gens puissent deviner les placements, quoi. Mais moi, si tu veux, ma manière de fonctionner, je te l'avais un peu dit, je crois déjà, c'est que j'écoute les gens spontanément, sans regarder leur thème en fait astrologique, et j'essaye le plus possible de deviner justement ces fameuses dominantes, sachant que parfois, quand je les écoute parler, j'entends des dominantes qui ne sont pas leurs dominantes, et c'est là que ça devient super intéressant, je trouve, en travail après psychothérapeutique, parce que il va y avoir des axes astro qui vont être un peu déséquilibrés et qu'on va pouvoir sur lesquels on va pouvoir venir travailler, quoi. Donc voilà, ça c'est pour comment je fonctionne, Alors et donc attends, pour juste parce bon. que je comprenne bien le contexte, dès aujourd'hui, il va y avoir des personnes qui seront témoins ou ça c'est juste en enregistre et tu leur montreras et parce que tu m'as dit qu'il y aura une autre... Donc juste dis-moi ça, que je sache juste le contexte. Alors en fait là la vidéo elle va être mise sur ma chaîne YouTube, donc du coup je vais faire juste un petit montage vite fait, tu vois, pour que ce soit assez propre, et donc elle est disponible à tous mes abonnés, et après en fait les gens qui veulent vraiment Okay. participer C'est ça. vont s'inscrire à l'atelier et Vous avez découvriront bien ton compris. thème avant Là, il va pas l'atelier. y avoir dans quelques minutes un direct avec des gens qui vont poser des questions. C'est pas ça. Non. Non, non, Ok, non. C'est ça, ça ce sera sera la donc prochaine fois. le dimanche 18 juin. Là, on se Bon, retrouvera pour 3 heures et donc là, ça sera en direct. génial. Alors ouais, donc du coup, je disais, pour moi, c'était évident que je te choisissais toi pour cette histoire d'archétype Gémeaux-Mercurien. Pourquoi? Parce que l'archétype Gémeaux-Mercurien, pour moi, si tu veux, c'est l'archétype socratique. C'est vraiment Socrate qui descend dans la foule, qui communique avec l'autre, qui va enfin, pratiquer ce que disait Platon, la maïeutique. C'est ce côté, je vais un peu démonter tes arguments parce que finalement, c'est assez confus ta manière de parler. Il y a quelque chose dans ce que tu dis qui ouais, c'est ça qui est confus. Je crois que je peux pas le dire mieux que ça. Et je trouve que toi, dans ta manière de communiquer, il y a beaucoup de ça. T'as un peu cet archétype socratique. Et donc voilà, comme je disais, j'ai pensé à toi vraiment de façon évidente pour cet atelier. Et puis ben, voilà, j'espère que ça va intéresser les gens et que ça va permettre justement d'éclairer un peu plus ce qu'est Mercure, ce qu'est le signe des Gémeaux. Est-ce que toi, ça te surprend déjà cette invitation, ou est-ce que t'es plutôt d'accord avec cette lecture? Là, la lecture que tu fais, en plus, comme toi tu le dis, ça me surprend pas du tout. Tu le sais, hein, je me suis même explicitement, peut-être tu le sais pas d'ailleurs, mais sur mon site explicitement, je me suis mis maïeuticien. Donc c'est pas forcément ce que je mets en avant le plus parce que, mais quand j'ai cherché un mot, pas pour le dire aux autres, pas qui me définit moi selon mes conceptions. Mais parce que j'ai pas envie de me positionner en thérapeute, en psychothérapeute, je me suis mis maïeuticien, donc ça me surprend pas. Mais du coup, oui, non, j'avais pas percuté sur le fait que tu te faisais appeler maïeuticien. Si. Non, mais c'est marrant. Mais du coup, est-ce que tu pourrais peut-être revenir un peu sur ton parcours aussi? Parce qu'il y avait cette histoire, moi, qui m'avait marqué, par contre, je sais plus si je l'ai lu ou si tu l'as dit, mais c'est en lien avec plutôt l'histoire de programmation, déprogrammation. Est-ce que, voilà, tu peux revenir un peu sur ouais, ton parcours, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce qui t'a amené à ce que tu fais aujourd'hui? Moi, à la base, professionnellement, j'étais ingénieur en informatique. J'ai fait ça pendant 10 ans. J'ai appris à programmer les ordinateurs pour des raisons purement éthiques, parce que c'était plutôt cool comme métier, ça se passait bien, j'étais plutôt bon dans mon métier. Mais par contre, au niveau éthique, je ne m'y retrouvais pas du tout. En clair, dans le monde, alors je vais rester je pense un peu dans tous les domaines, mais en tout cas dans le domaine informatique, je trouve qu'il y a trop de mensonges, tout le monde ment à tout le monde, on ment aux fournisseurs, etc. Et j'ai complètement changé, j'ai fait une formation de thérapeute.
Et ça fait 20 ans maintenant que j'aide les personnes en tant que thérapeute. Enfin, mon chemin, c'est ça. Et qu'est-ce qui t'a fait choisir la voie de la thérapie ? C'est vraiment ce fait d'observer les mensonges, notamment entre les humains, dans ton métier d'informaticien, ou c'est autre chose ? Non, c'est juste que ça a toujours été là, en fait. C'est juste que quand j'ai voulu faire autre chose, ça a été une évidence. Depuis tout petit, les gens se confient à moi. J'ai toujours aidé les gens. Et quand je posais les questions, parce que je comprenais pas trop pourquoi les gens venaient me dire des fois des choses qu'ils disaient même pas à leur psy, mais ça a toujours été comme ça. Les réponses systématiques, c'était « toi, je sais que tu vas pas me juger ». Donc j'avais compris que ça, c'était important, et que j'arrivais sûrement à avoir une présence qui fait que les gens se sentent pas jugés, et que du coup ils se confient simplement. Si on juge pas, les gens se confient. Et quand j'étais en train de me dire, ok, je vais arrêter de faire ce métier d'ingénieur en informatique, qu'est-ce que je vais faire? J'étais dans quelques jours assez perturbé, là, je savais pas trop quoi faire. Un jour, il y a un mec qui rentre dans mon bureau d'informaticien, qui me dit, il était tout gêné, il me dit, désolé, est-ce que je peux te parler? On m'a dit que ça faisait du bien de te parler, voilà, parce que j'avais aidé plusieurs personnes dans l'entreprise. Et là, je me suis dit, il a raison, c'est ça qu'il faut que je fasse. Donc, en fait, j'ai toujours fait ça finalement, j'ai juste, à un moment donné, j'ai pris la conscience et je l'ai fait professionnellement. Enfin, j'ai fait une formation d'abord et après, je l'ai fait professionnellement. Ok. Donc, tu es passé par une formation quand même classique de psychothérapeute. Ouais. Ouais. J'ai fait 4 années de psychothérapie et d'art-thérapie. Du coup, quand je m'y suis mis à fond. J'ai fait 2 formations en même temps. Mais dans le cours de ma formation, j'ai découvert ce que j'appelle l'échelle émotionnelle, qui est mon outil de pratique. Qui fait que j'ai jamais vraiment fait de psychothérapie au sens strict, et que j'ai une approche, tout à l'heure tu parlais de maïoticien, que j'ai posé comme étant de la maïotique, c'est-à-dire de la conscience. Mon axe est plus la conscience de soi et la clarté dans les choses, et j'aide les gens avec leurs émotions et ensuite avec le mental. Pour moi, les émotions, ça aide à prendre conscience de l'origine des choses, quand on écoute les émotions. Et par contre, pour modifier, pour s'améliorer, pour dépasser nos névroses, là, dans mon expérience, il faut nettoyer le mental, je pourrais dire. Donc, il faut mettre de la clarté. Et ça, pour moi, c'est assez... l'approche maïotique, c'est celle qui permet le plus. Et du coup, comment t'en es arrivé à cette... Parce que quand on connaît ton travail, ce qui, moi, en tout cas, m'est resté, c'est ce, comment dirais, recadrage sémantique. C'est enfin, sur ta chaîne YouTube, en tout cas, tu parles de la novlangue, par exemple. Il y a vraiment ce besoin de replacer la définition des mots, de savoir de quoi on parle. Comment t'en es arrivé à ça, du coup? C'est vraiment par l'exploration d'abord des émotions des gens. Tu t'es rendu compte qu'il y avait des croyances erronées qui étaient liées du coup à cette sémantique fausse à l'intérieur de soi. Enfin, comment t'en es arrivé là? Pour moi, il y a vraiment 2 aspects. C'est-à-dire que pour moi, résoudre un problème, quel qu'il soit, mais du coup là, résoudre le problème de quelqu'un, c'est d'abord comprendre le problème et ensuite trouver une alternative au problème. Et donc tout l'univers émotionnel, justement, alors qui a été important pour moi, qui a été une base. Ça sert que à la prise de conscience. Donc, c'est pas ça la profondeur sur la sémantique. La profondeur sémantique, ça m'est venu dans tout ce que j'ai essayé de faire pour aider les gens. Une fois qu'on a la source du problème, de l'enjeu psychologique, comment on la dépasse, comment on la transcende, comment on fait résilience. Et à la fois, ma formation de thérapeute, parce que j'ai fait de la PNL, donc programmation neurolinguistique, c'est presque naturel pour un ancien programmeur d'informatique, d'ordinateur. Y a aussi, la PNL. Moi, j'ai fait de la PNL, de l'hypnose ericksonienne et de la sophrologie comme matière principale. À la fois cette formation, puis à la fois ma propre habitude personnelle m'a montré l'importance du filtre mental. C'est-à-dire, pour moi, c'est ma conception, je dis pas que c'est la vérité, mais pour moi, c'est clair. Il y a tout le système de pensée entre moi et le monde, qui dans les deux sens. C'est-à-dire, ce que je reçois du monde, je le filtre. Ce que j'envoie au monde, je le filtre. Donc, c'est le filtre qu'il faut modifier. C'est là que je vois qu'il y a le plus d'efficacité. J'ai moi-même dépassé des lourds enjeux psychologiques avant de faire cette formation. Et je l'ai fait comme ça, dans un déclic du mental. C'est-à-dire, d'un coup, et c'était même pas une croyance, c'était plus profond.
Donc au-delà des croyances, pour moi, il y a vraiment la couche sémantique. Et donc c'est ça qui m'a donné la conscience de l'importance des mots, mais vraiment des, plus que des croyances encore, vraiment de la définition, de le dictionnaire qu'on a dans notre tête, quoi. C'est lui qu'il faut reprendre. Souvent, c'est lui qui déconne. C'est plus que les croyances. Vraiment, d'accord. Une fois, je te dis ma pratique, quoi. Ok. Et ça, c'est vrai que dans la manière dont tu l'exprimes, ça me fait beaucoup penser, moi, à l'archétype du signe des Gémeaux, en fait, sur l'astrologie. Le signe des Gémeaux, pour moi... Alors, Mercure, en fait, il va régenter deux signes. Il va régenter les Gémeaux, il va régenter la Vierge, le signe de la Vierge. Et la différence entre ces deux signes, pour moi, ça va être que dans le signe des Gémeaux, on est là, on est dans... Ce que je dis souvent, on est dans l'être là. Il y a vraiment une histoire de spontanéité, d'amusement aussi, avec le verbe, avec le mot, avec les mots qu'on utilise. Donc, les mots sont vraiment bien choisis. Mais la notion d'amusement reste, je dirais, centrale dans le signe des Gémeaux, là où elle n'est pas dans le signe de la Vierge. Donc, pour moi, l'archétype mercurien Gémeaux, et donc cet archétype que je trouve que tu es, c'est un archétype qui va s'amuser dans l'échange avec l'autre à essayer de comprendre cet autre, finalement. Donc, toi, tu dis que tu es passé par une formation de psychothérapie, donc il y a quand même ce côté, on pourrait dire, un peu vierge ou maison 6, enfin, il y a quelque chose comme ça quand même, mais dans la manière dont tu l'utilises, ça reste très Gémeaux, puisque je trouve que, voilà, quand tu échanges avec les gens, c'est spontané, il n'y a pas de... tu n'appliques pas, en fait, des méthodes que tu as apprises, par exemple, à l'université ou dans des livres ou des choses comme ça, c'est vraiment dans la spontanéité, on est d'accord, hein, y a vraiment cette... On est totalement d'accord, c'est-à-dire que, oui, dans mon cursus, j'ai souhaité à un moment donné recevoir des enseignements, mais clairement, j'applique quasiment rien, ou plutôt, je l'ai intégré de manière très profonde, comme de la connaissance. Mais c'est hyper important pour moi de faire ce qui est ma nature. Et effectivement, ce qui m'amuse, c'est des mots-clés pour moi, l'amusement, c'est quelque chose de sacré dans ma conscience. C'est la base. Quelqu'un qui sait s'amuser, d'abord, il est forcément lui-même et il est forcément heureux. Donc, c'est hyper important. Et effectivement, au-delà de mon métier, on va dire, enfin, d'un de mes métiers, c'est le principal maintenant, mais j'en ai fait plein. Mais la communication, de toute façon, c'est toujours quelque chose que j'adore. Moi, ce qui m'amuse, quand j'étais petit, pour donner un exemple, comme quoi ça date d'il y a longtemps, quand j'étais petit, ma mère, donc vraiment enfant, je sais pas, peut-être 2, 3, 4 ans, ma mère m'amenait au jardin d'enfants tout le temps. Moi, j'allais sur un banc et je parlais avec des vieux, je jouais pas avec les autres enfants. Et elle disait, tu passais tout ton temps à parler, tu parlais. Alors, j'adorerais savoir ce que je pouvais bien raconter pendant longtemps à ces gens. Mais j'ai toujours été comme ça et effectivement, que indépendamment de ma formation, c'est ça. Et puis j'ai développé, donc à la fois ça m'amuse et à la fois c'est important et sérieux pour moi. Mais l'amusement est sérieux pour moi. Il y a quelque chose de complètement fusionnel là-dedans. Le sérieux, c'est s'amuser. Et la plupart de ce qui est divertissement de notre société, ça m'amuse pas vraiment. Communiquer, c'est un truc, je peux faire ça pendant des heures et des heures. Et du coup, j'ai développé une qualité de communication et justement. La maïeutique, c'est aussi la distinction entre la dialectique et la rhétorique. Je déteste la rhétorique parce que c'est pas une bonne qualité de communication, c'est une manière d'avoir du pouvoir sur les gens. Par contre, là, j'adore la dialectique qui va consister à s'amuser ensemble, à comprendre le réel. Et moi, c'est la seule chose qui m'intéresse. Plus j'avance en âge, plus c'est la seule chose qui m'intéresse, c'est de découvrir le monde et les gens. Et la communication, c'est indispensable pour ça. Il y a plein de choses que tu dis qui m'évoquent d'autres choses et j'ai du coup plein de questions à te poser. Je vais essayer de faire les choses dans l'ordre dans lesquelles tu les as dit. Déjà, est-ce qu'on pourrait revenir si c'est quelque chose dont tu... Enfin, si t'es d'accord, quoi, un peu sur ton enfance, comment ça s'est passé? Parce que juste, en fait, moi, sur un peu toutes les vidéos YouTube sur lesquelles j'ai percuté quand je t'ai découvert il y a plusieurs années maintenant, il y en a une vraiment qui m'est restée, qui m'a marquée très fortement, c'est celle sur le yacht. As-tu eu un yacht dans ton enfance? Enfin, c'est une vidéo que je transmets souvent à mes patients parce que je la trouve vraiment, elle est géniale, quoi, pour dégommer un petit peu ses attentes parentales. Enfin, je vais te laisser en parler peut-être, mais comment toi ton enfance s'est passée et est-ce que ton enfance à toi a influencé ce type de pensée aussi ou pas du tout? Pardon, est-ce que mon enfance, j'ai pas entendu juste la dernière question.
Et je demandais, est-ce que ton enfance a influencé ce type de pensée-là, cette histoire avec le yacht, ou pas du tout? Parce que souvent, en fait, on entend les thérapeutes et des gens qui ont eu des enfances absolument abominables, et du coup, c'est ça qui les ont amenés à aider les autres. Et j'ai pas l'impression que ce soit ton cas, de ce que j'ai compris. Non, moi, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire, je crois que je fais partie des rares personnes, vu ce que j'ai rencontré dans ma vie, à avoir eu des géniteurs qui se sont effectivement comportés comme des parents. J'ai eu beaucoup de chance. Alors, est-ce que c'est une chance? Est-ce qu'on choisit? J'en sais rien. Mais mes deux parents se sont toujours comportés comme des parents, c'est-à-dire à la fois aimants et très respectueux donc de ma personne. C'est-à-dire, c'est pas des programmeurs. Ils m'ont pas programmé. Ils m'ont accueilli et ils ont essayé de faire en sorte que je sois moi-même. Et jamais pour autant intrusif dans leur amour, parce qu'il peut y avoir une forme d'amour qui par peur et par contrôle, va quand même vouloir que l'enfant prenne direction. Et alors, ils ne sont pas parfaits, mes parents. Hein. Il y a aussi eu des aspects de ces ordres. Mais globalement, j'ai plutôt eu la chance d'avoir des parents qui ont été à la fois aimants et pas directifs. Et du coup, le début de ma vie, il y avait quand même, même si j'ai toujours été intéressé par les autres, on m'a beaucoup confié et tout, mais au tout début, j'aidais les gens en leur disant ce que moi je faisais. Donc, j'ai fait cette erreur de donner des conseils, en fait, et de dire ce qui fonctionnait pour moi, ce qui est pas la meilleure manière d'aider. Et parce que j'ai mis du temps à comprendre que les autres n'avaient pas eu mon enfance. Pour moi, une famille, je voyais bien qu'il y avait des gens qui avaient des problèmes familiaux, mais ça me semblait être des exceptions. Des gens qui avaient vraiment pas de chance et qui avaient des problèmes dans leur famille. Alors qu'en fait, maintenant, je sais que c'est l'immense majorité qui a pas eu vraiment, surtout les deux géniteurs qui se sont vraiment comportés comme des parents. Et plus je comprenais, en fait, que j'avais beaucoup de chance et que c'était moi l'exception, et que la plupart des gens n'avaient pas eu la chance d'avoir mon enfance, plus à la fois j'avais envie de dire aux gens, mais la vie ça peut être autre chose, la famille c'est autre chose, les relations c'est autre chose, ce que vous avez connu, c'est ne restez pas, parce que je les voyais rester coincés dans ces schémas de répétition. Et donc moi indépendamment de mon vécu, j'avais en moi quelque chose pour aider les autres tout le temps, mais du coup mon vécu m'a permis d'essayer de leur dire, regardez, la vie ça peut être autre chose, et ce que vous prenez pour des parents, moi je sais que ça en est pas. Et autre chose qui m'a été très utile, c'est que quand on a une enfance avec des toxicités, quel que soit le degré de toxicité, ça peut être très violent ou ça peut être plus léger, plus normal, lorsqu'on commence à l'âge adulte à avoir des difficultés, le réflexe, ça va être de se dire, ça vient de mon enfance, ça vient de mes parents, etc. Moi, j'ai aussi eu des difficultés, je suis allé jusqu'au bord du suicide, j'ai eu des gros problèmes à des moments. Jamais c'était possible de me dire ça. C'est-à-dire que j'étais forcément le seul et l'unique responsable de mes problèmes, puisque j'ai eu une enfance parfaite. Et ça, l'air de rien, ça aide beaucoup. C'est-à-dire, évidemment, qu'on est toujours responsable de sa souffrance, c'est obligatoire. Et moi, je ne pouvais pas penser autrement, sauf en étant très malhonnête. Et ça aussi, par empathie, je me suis dit, mais comment ils font les autres? Comment ils font à comprendre qu'ils sont les seuls responsables de leur souffrance, vu ce qu'on leur a fait dans leur enfance? J'ai dit, c'est très compliqué. Et donc là, moi, j'ai pu être un témoin fort. Parce que c'est pas non plus comme si j'ai une vie toute rose et que j'ai jamais eu de problème. Encore une fois, j'étais dépendant affectif aussi, j'étais allé jusqu'au bord du suicide et je suis sorti dans un déclic de ça. Donc là, j'avais un témoignage fort pour aider les gens. Et alors, ouais, je vais rebondir direct sur ce déclic. T'as pas été aidé, du coup, c'est vraiment toi avec toi-même qui a réussi à trouver les ressources, les outils pour dépasser ces problèmes-là. Donc ça, c'est une base cruciale. Quand moi, je comprends que je suis totalement, intégralement responsable de la souffrance, et vu mon histoire, moi, j'ai du mal à raisonner autrement, je pense que c'était ma ressource principale. Pour autant, il y a des fois où je n'ai pas réussi, où ça m'a pris des mois et des mois en souffrant de la situation. Mais oui, une fois, j'ai eu un déclic. Je ne sais pas si la question, c'est que je décris ce déclic précisément ou pas. Mais en tout cas, la ressource, c'est juste que j'étais sans rentrer trop dans les détails, dans une situation, dans une faillite amoureuse, on va dire, où j'en souffrais énormément. Et comment dire, il y a un moment donné où j'étais vraiment au niveau existentiel. Vraiment, je pensais à me suicider. Je suis jamais approché du passage à l'acte, mais c'était très présent dans ma tête. Et j'ai contacté la personne concernée. On n'était plus ensemble, mais voilà, en disant. Je ne sais plus qui je suis, en fait. Donc, j'étais vraiment au niveau existentiel.
Donc c'est le même qui m'a mis dans une situation où j'étais au niveau existentiel, ce qui est important, je vais y revenir après, puisque à la fois je voulais mourir, mais surtout je me disais je veux plus être moi, parce que j'avais l'impression d'avoir été moi de mon mieux, et le résultat c'était que de la souffrance. Donc la logique est simple, je veux plus être moi, ça sert à rien d'être moi. C'est ça la question que j'ai posée, je dis. Un peu désespérément, en disant « Mais toi, tu sais qui je suis, je t'ai donné tellement de choses depuis un an, dis-moi qui je suis, à quoi ça sert d'être moi ?» Et en gros, elle m'a répondu en disant « J'ai pas le temps, je suis pas bien, etc. » Et donc, ce qui m'a complètement plombé, et je me souviens, je suis rentré sous ma douche, j'étais sûrement au pire de ma vie, et là, j'ai eu un déclic, parce que je me suis dit « Mais en fait, elle a raison. Pas dans ce qu'elle dit, mais moi, j'y ai demandé qui j'étais, et sa façon de me répondre, c'est quelque chose que moi, j'aurais jamais fait. Quelqu'un qui va super mal, qui te dit, j'avais pas été très explicite, mais on comprenait, j'aurais pas juste dit, j'ai pas le temps, voilà. Et donc, pas dans sa réponse, mais dans ce qui se passait, je me suis dit, elle m'a répondu, voilà qui je suis. Je suis quelqu'un qui jamais aurait fait ça. Et donc là, je me suis, sans m'en rendre compte, ça a été purement, ça a été pas calculé du tout. J'étais au niveau existentiel et je me suis réidentifié à mes valeurs. C'est-à-dire que ce que je suis, c'est pas ce que je fais, c'est pas tout ce que j'ai fait parce que je suis un prince charmant pendant des mois pour mon amoureuse, c'est pas ça que je suis. Moi, je suis quelqu'un, ça, je l'aurais pas fait. Donc, on n'a pas les mêmes valeurs, on n'est pas la même personne. Et donc, d'un coup, j'ai pu me rattacher à une autre identification. Donc, j'ai vraiment abandonné une identification qui était assez superficielle pour aller vers une identification plus profonde. Et je me souviens, je suis sorti de la douche, j'ai envoyé un mail en disant « Mais c'est bon, en fait, ça va bien. » T'inquiète pas, j'étais peut-être inquiété avant. La formule que j'ai dit, c'est je vais réaliser tous mes rêves et s'ils n'existent pas, je vais les inventer. J'ai dit ça. Et de fait, ma vie est repartie très vite. Peut-être 15 jours après, je m'engageais dans une nouvelle relation. Je quittais mon boulot des mois plus tard. Je découvrais, enfin voilà, toute ma vie est partie. Et je me suis, pour moi, à ce moment-là, je me suis remis dans les rails de qui j'étais vraiment. Alors qu'avant, il y avait des conditionnements trop forts et j'étais identifié de manière trop superficielle pour pouvoir vivre vraiment ma vie et être dans mon être. Quoi. Voilà, je ne sais pas si je te réponds, mais c'est ma réponse. Si, si, ben, complètement. C'est, alors, dans ta manière de parler, il y a quelque chose moi, qui sonne très saturnien, c'est-à-dire vraiment ce côté rigoureux, la notion d'éthique aussi qui est très importante. Et en fait, il y a quelque chose chez toi qui m'a beaucoup plu dans ton travail aussi dès le départ, je pense. Hein, c'est ce côté très pragmatique, hyper rationnel, donc avec le langage notamment, on en a parlé tout à l'heure. Et puis, ce que tu viens de dire, ce côté, pour le coup, très sensible, je vais oser le dire comme ça, en tout cas peut-être très intuitif, et ça me fait penser là tout de suite à... au moment où tu as annoncé ton association avec Durga, qui est énergéticienne, si je ne me trompe pas, ça a pu peut-être choquer certaines personnes, parce que c'est vrai que comme tu as ce côté hyper cartésien, enfin en tout cas c'est un peu comme ça qu'on s'imagine Laurent Martinez dans ton travail, tout à coup tu t'associes avec quelqu'un qui, pour le dire d'un point de vue un peu astrologique, est plutôt neptunien, donc plus dans l'intuition, le côté je travaille justement avec l'invisible. Comment est-ce que tu expliques un peu cette complémentarité du coup à l'intérieur de toi entre, j'ai envie de dire Mercure et Neptune qui normalement s'opposent plutôt quoi sur en astrologie en tout cas. Alors en tout cas dans ma subjectivité, ce qui se passe c'est que je pense que c'est parce que effectivement je suis très rationnel que j'en arrive à ne pas me fermer. À uniquement la rationalité, c'est-à-dire que quand on est très rationnel, on voit les limites de la rationalité, on voit les limites de la matérialité, c'est-à-dire que pour moi, le vrai rationnel, il limite la rationalité, il la remet en cause, parce que c'est pas rationnel de faire comme si tout est matériel et comme si tout est rationnel. Oui, je pense effectivement que je suis pas rationnel, mais pour moi, la vraie rationalité, à un moment donné, va poser les limites de la rationalité, Et les limites de la matérialité. Et ça, c'est être rationnel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de beaucoup d'humilité pour se rendre compte qu'il y a des tas de choses dans la vie qu'on ne peut pas expliquer. En fait, il y a l'essentiel qu'on ne peut pas expliquer quand on est vrai. Plus on est rationnel et plus on est ouvert à ce qui n'est pas rationnel. Ou je pourrais formuler autrement, ce n'est pas rationnel de se cantonner au rationnel. C'est complètement obtus et non rationnel de dire « il n'y a que la matérialité ». Il n'y a que le rationnel et surtout, il n'y a que mon expérience qui compte. Parce que sur ce sujet, le fait est que
à ce jour, je sais pas si ça changera un jour, j'ai pas de, j'ai une, alors je suis très intuitif, mais mon intuitivité, c'est la clair-connaissance. Je sais pas, il y a la clairvoyance, la clairaudience, la clair-connaissance, la clair-sentience. Donc j'ai absolument pas de clairvoyance, j'ai absolument pas de clair-sentience, j'ai absolument pas de clair-audience du tout. Il y a plein de gens qui ont ces choses-là, moi j'ai pas. Et ça serait pas rationnel de me cantonner à mon expérience de vie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens et le monde. Donc, ce qui est le plus rationnel, c'est de s'ouvrir avec rationalité aux autres, pas forcément de les croire. En fait, moi, mon approche rationnelle consiste à ne quasiment rien croire. Je crois pas, ça m'intéresse pas trop de croire. Donc, quand quelqu'un me parle, je vais pas chercher à valider ou à invalider ce que la personne me dit, ce qui est, je trouve, pas rationnel. Juste, j'entends ce qu'elle me dit, je cumule la connaissance. Et puis, j'ai remarqué dans la vie que si quand même, à propos de quelque chose que je n'ai pas vécu, il y a 10 personnes qui me disent la même chose, c'est assez rationnel de prendre en compte ceci, sans jamais y croire, parce que peut-être qu'il va y avoir un témoignage qui va invalider les 10 autres. Mais pour moi, être vraiment rationnel, c'est gérer des hypothèses en permanence. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est des hypothèses. Quand quelqu'un me parle, dans ma tête, il y a 4, 5, 6, 7 hypothèses. Et je ne cherche jamais à valider ou à invalider. C'est-à-dire je ne cherche jamais à croire. Et je ne cherche pas à ne pas croire. Donc, quelqu'un me dit un truc qui, a priori, est farfelu. Le réflexe non rationnel, c'est de dire « Ah ben non, j'y crois pas parce que ça ne correspond pas à mes connaissances et à mon expérience. » Mais celui qui est plus rationnel que ce rationnel-là, c'est-à-dire qu'il ne faut peut-être pas confondre le rationnel et l'obtus. Je crois qu'il y a souvent la personne qui est fermée ou qui, justement, est dans ses croyances prétendument scientifiques. Mais les scientifiques, c'est des humains qui ont des croyances comme les autres. Donc, pour moi, c'est, je pourrais dire une extrémité ou un excès de rationalité qui m'a conduit à m'ouvrir simplement aux expériences des autres. J'ai rencontré des tas de gens dans ma vie qui vivaient des trucs que je n'ai jamais vécu dans ma vie. Et en étant rationnel, j'ai pu valider. Par exemple, oui, je vis avec Durga depuis des années maintenant. Je me rends bien compte, en étant très rationnel, que ce qu'elle capte d'une manière que je ne sais pas totalement expliquer, ben, ça marche. Ben, des fois, on aide des gens en commun. Donc, soit c'est même pas de la rationalité, c'est de l'honnêteté, en fait. Donc, j'ai aucune raison de me fermer à toutes ces choses. Maintenant, si avant de m'associer à Durga, j'en parlais pas, c'est simplement par humilité. Je ne vais pas parler de ce que je n'ai pas expérimenté, de ce que je ne connais pas. Donc, je n'expérimente pas de clairaudience, de clairsentience, de clairvoyance. Donc, je n'en parle pas. Mais ça m'intéresse. Je suis ouvert aux autres. Et je vois bien, parce que j'ai rencontré aussi principalement des charlatans dans le domaine, beaucoup de gens qui confondent leur imaginaire et leur délire ou leurs émotions avec de l'intuition. Et je rencontre des gens qui font beaucoup moins cette confusion et qui ont une capacité d'être beaucoup plus clair avec ce qu'est leurs intuitions. Et donc ça, c'est par rationalité qu'on peut se rendre compte de ça. Je crois qu'il ne faut pas confondre la rationalité avec la fermeture d'esprit. Et souvent, on la confond. Là, tout ce que tu dis, moi, je suis obligée de penser en termes un peu, c'est mon langage dans l'astrologie, mais j'entends beaucoup de balance, enfin, de ce côté, je suis finalement très ouvert à l'altérité. Et ça m'a rappelé, alors je l'ai noté pendant que tu parlais, je crois pas que c'est ce que tu as dit, mais il me semble que c'est toi qui disais à un moment que ce qui fonde l'altérité, c'est la mémoire. Enfin, il y avait une histoire comme ça, la différence entre les êtres humains, c'est leur manière de mémoriser. C'est bien toi qui l'as dit ça. Et, du coup, moi, ça me pose forcément la question, enfin, par rapport à tout ce que tu viens de dire, ça va donner des lectures qui sont forcément différentes du réel. Comment est-ce que, selon toi, du coup, on communique ? Parce que si, enfin, dans tout ce que tu viens de dire, ça m'a posé cette question-là. Comment on fait pour communiquer si, dans nos fondements de représentation, finalement, du réel, on n'est pas sur les mêmes, sur les mêmes strates ? C'est ça. Alors, exactement, ce que je dis, c'est pas que l'altérité, la différence, c'est que mémoriel, c'est juste que le fait qu'on ait des mémoires très différentes est une différence importante et qui va avoir beaucoup de conséquences. Après, évidemment, il y a d'autres différences. Hein. L'altérité, elle est aussi ailleurs. Hein. Mais sur la mémoire, c'est important. Je reviens à ce filtre dont je parlais tout à l'heure. Le système de pensée, donc la mémoire, système de pensée, c'est pareil. La mémoire, c'est juste le stockage du système de pensée. Donc cette mémoire est hyper importante. Et là aussi, c'est plus la PNL qui m'a éveillé de manière précise à ça. C'est énorme à quel point on met
mais on peut, chacun peut faire l'expérience, hein. Vous vous mettez à 4, 5 et vous regardez un paysage et vous décrivez le paysage. Bah, on a l'impression d'avoir 5 paysages différents. Mmh. Donc en PNL, on est très très précis à distinguer les différentes de mémoire. Il y a beaucoup beaucoup de différences et c'est énorme en fait à quel point. Et la mémoire, c'est pourquoi c'est très important aussi, parce que bah, ce qu'on s'est dit il y a une seconde, c'est de la mémoire maintenant. Tu vois, ce que tu m'as dit, je l'ai mémorisé, je ne sais plus ce que tu m'as dit, je n'ai aucun accès à ce que tu as dit, j'accède à ma mémoire. Je ne peux pas accéder au passé, à ce que tu as dit et réécouter ce que tu as dit. Ça fait pas partie de l'expérience humaine. La seule chose que je peux faire, c'est accéder à ma mémoire et donc à ce que j'ai mémorisé de ce que tu as dit, comment j'ai filtré, comment j'ai déformé, à quoi je me suis intéressé, à quoi je ne me suis pas intéressé, etc., etc. Surtout quand il s'agit de mots. Quand je regarde un paysage, c'est une chose. Quand j'écoute un humain, j'écoute des concepts. Donc voilà. Alors après, comment on communique ? Ben toujours imparfaitement. Ça, c'est la base de la communication. C'est que la communication, c'est hyper imparfait. On fait des erreurs d'échange d'informations permanentes, systématiques, obligatoires. Donc, ça nécessite une grande humilité. Et plus on a conscience de à quel point la communication, c'est nul, dans le sens que c'est peu efficace. C'est très compliqué entre deux humains de communiquer. Et plus j'ai conscience de à quel point c'est très inefficace la communication, ben plus j'y mets de l'énergie, du cœur, de l'attention et de la compétence pour pallier les inconvénients. Parce que de toute façon, même si c'est un outil très peu efficace, ça reste le moins mauvais qu'on ait tant qu'on n'est pas télépathe. Donc moi, je suis pas très bon télépathe. Donc quand je serai télépathe, j'arrêterai de communiquer, je ferai de la télépathie directe. Mais pour l'instant, la communication, c'est tout ce que j'ai quoi, pour régler des problèmes avec les gens. Et puis c'est justement parce que la communication, elle n'est pas efficace, eh ben, on a besoin d'être plusieurs pour avoir un regard juste sur quelque chose. On devient dépendant des autres, c'est-à-dire que si on veut regarder quelque chose et qu'on est 5 à le regarder et qu'on est capable de faire de la dialectique tous les 5 pour communiquer sur ce qu'on regarde, bah les 5 personnes auront des informations beaucoup plus complètes de ce qu'elles regardent que si elles regardent tout seules. Donc il y a aussi cette évidence qui vient quand on a compris qu'on est très... Parce que je me coupe, mais on communique pas qu'avec les humains du coup. Hein. Si la communication c'est l'usage du langage, quand je regarde un paysage, je communique avec le paysage. Et ces images, ben, je les interprète comme j'écoute un langage. Et donc je vais le déformer, ces images. Et donc il y a quand même une forme très, très analogique de communication. Alors qu'avec les humains, il y a des formes digitales. On communique avec des concepts, avec la nature, on communique directement avec les sens. Mais tout est communication tout le temps. Et tout est communication imparfaite. De la même manière, quand je regarde un paysage, j'ai peut-être 1% du paysage. C'est tout. Et je ne sais pas toutes les insectes qu'il y a dans la pelouse, les animaux qui sont dans les arbres, la température, le vent. Enfin, j'ai dit 1%, mais je crois que je suis optimiste. Quand je regarde quelque chose, je récupère 0,01%. Je ne sais pas, mais je récupère une infime petite partie du réel. Donc tout ça, je trouve ça passionnant et ça nécessite qu'on soit solidaire. On devrait passer beaucoup plus de temps à communiquer, à découvrir le réel. De mon point de vue, moi, c'est ça qui m'amuse. Que se divertir dans divers trucs que je trouve très peu intéressants. Et alors, quelle est la place des émotions dans tout ça ? Parce qu'on n'en a pas vraiment parlé depuis le début, alors que c'est quand même le cœur de ton travail avec du coup la fameuse échelle émotionnelle que tu pratiques. Alors la place de l'émotion, c'est fabuleux aussi parce que, alors c'est encore une fois, je ne prétends pas une vérité, je dis mon expérience. Donc on a 5 sens pour nous informer du réel, c'est déjà assez imparfait. On a le mental qui nous permet de nous abstraire de ce réel, c'est-à-dire d'avoir des conceptions. Et ça, c'est génial. C'est-à-dire qu'on n'est pas toujours dans le réel. Avec le mental, je vais venir à l'émotion. Mais j'ai besoin de parler d'avoir des sensations et du mental parce que les émotions, c'est l'arbitre de cette chose. Le mental, il nous permet de nous affranchir des lois physiques. Et ça, c'est fabuleux. Donc, avec l'imaginaire, si je veux imaginer une maison que je vais construire, j'ai pas besoin de construire physiquement 10 maisons pour savoir celle que je préfère. Dans ma tête, je peux imaginer des choses. Je m'affranchis du réel, c'est beaucoup moins, ça consomme beaucoup moins d'énergie. Donc c'est fabuleux le mental et c'est fabuleux cette capacité d'abstraction du réel, du concret. Donc il y a l'abstrait et il y a le concret. Maintenant, l'abstrait, il a un inconvénient majeur, c'est qu'étant donné qu'il s'affranchit du réel, bah des fois on peut partir en délire. On peut aller trop loin. Et on peut complètement devenir infidèle au réel. Le problème, c'est que
dans l'incarnation, on est en relation avec le réel. Et donc, si on déforme le réel, on devient inadapté au réel. Et c'est là que les émotions interviennent dans mon expérience. C'est-à-dire que mon expérience, c'est qu'à l'instant où il y a ce qu'on appelle une dissonance cognitive, c'est-à-dire à l'instant où mon mental va en délire, à l'instant où il s'affranchit de trop du concret, il y a une émotion. C'est immédiat, systématique. Après, la couleur, la nature de cette émotion va dépendre de ce que j'appelle l'identité virtuelle, de mon ego, de ma construction, de mon identification. Mais l'émotion, elle vient à l'instant où mon mental va trop loin, en fait. Donc, pour moi, l'émotionnel, c'est l'arbitre entre le réel et le mental. Et donc, ce système, il est parfait. Quand je comprends ça, en fait, je vis les choses beaucoup plus légèrement. J'ai 5 sens qui m'informent du réel. J'ai du mental qui me permet de m'affaire du réel. Et j'ai l'émotion qui sont là pour faire l'arbitre en disant « Attends, ton mental, il est allé trop loin. Non, une pierre, ça ne peut pas voler dans les airs sur la planète Terre. Si tu crois ça, ça ne va pas aller. » La preuve, c'est que quand tu lâches la pierre et qu'elle tombe, bah, tu es triste ou tu es déçu. Et la déception, la tristesse, elle n'est pas là pour te parler de toi ou de la pierre. Elle est juste là pour dire « Attention, tes idées sont allées trop loin. Une pierre, ça tombe. » Et quel est ton regard alors sur, ça me fait penser à ça immédiatement, la psychiatrie, les étiquettes un peu de psychologie moderne qui vont fermer les gens dans... C'est pareil, il y a une autre vidéo qui m'a beaucoup frappée sur ta chaîne. C'était le titre comme ça un peu cash aussi, tu n'as pas une dépression, ou quelque chose comme ça, tu n'as pas une dépression ou un burn-out, tu n'as tout simplement pas de vie, c'est quelque chose comme ça. Ouais, tu disais, sur ta chaîne YouTube, il y a une autre vidéo qui m'a beaucoup marqué, puis c'était en lien du coup avec cette question de quel est ton regard sur la psychiatrie et les étiquettes un peu de psychologie moderne. La vidéo en question, c'est le titre, je crois, hein, de mémoire, tu n'as pas une dépression ou un burn-out, n'as pas de vie, tu n'as tout simplement pas de vie ou quelque chose comme ça. Donc quel est ton regard donc sur ces fameuses étiquettes psychiatriques? Ben, c'est simple justement, hein. Étiqueter, c'est pas comprendre. Étiqueter, c'est juste un mouvement mental. C'est pas parce qu'on a mis une étiquette sur un symptôme. Si par exemple on dit tu es dépressif, ben, ça va être très utile derrière pour vendre les médicaments quand on a de la dépression. Mais en quoi est-ce que j'ai une compréhension fine du problème que j'ai et en quoi est-ce que j'ai une solution au problème que j'ai? Donc, que ce soit dans ce domaine ou dans n'importe quel domaine de la vie, quand on est étiqueté, on n'a pas compris. Donc la compréhension nécessite davantage que l'étiquetage. Donc l'étiquetage, on en a besoin, ça peut être utile à des tas de choses, hein, mais ce n'est pas de la compréhension, il faut juste distinguer. Donc je crains qu'en psychologie, souvent on étiquette ce qui est utile aux professionnels, encore une fois peut-être pour vendre des trucs derrière, mais ce n'est pas forcément utile à la personne. De fait, moi quand j'aide les gens, des fois il y a des gens, ils ont fait 10, 15, 20 ans de psychanalyse. Alors je ne veux pas m'inscrire contre la psychanalyse, après je ne vais pas nier mon expérience pour autant, donc je témoigne honnêtement de ce que j'ai vécu. Et donc des gens ont vécu, des fois, je crois que le max que j'ai vécu c'est 25 ans de psychanalyse, et en un entretien ils font une échelle émotionnelle, ils trouvent un truc qu'ils n'ont pas trouvé en 25 ans d'analyse. Donc ça ne peut pas ne pas m'interpeller. Et sur le, pourtant ils sont parfaitement étiquetés, ces gens. Un psychiatre, il est très très bon à étiqueter selon les dogmes de la psychiatrie, mais ça aide pas. Par contre, ils font une échelle émotionnelle, il y a zéro étiquette. C'est eux et leur intelligence qui trouvent tout. Moi, je suis pas intervenu avec aucune compétence autre que guider l'échelle émotionnelle, et je donne aucun avis, aucune opinion, je fais aucun diagnostic. Et la personne, elle trouve un truc fondamental pour sa vie en 20 minutes. Donc là, pour moi, on a de la compréhension. C'est-à-dire qu'elle voit exactement l'origine, et c'est personnel, et il n'y a pas d'étiquette. Autre chose, un enjeu psychologique, il est individuel, il est personnel. Donc aucune étiquette préconçue ne pourra être de la compréhension. C'est ce qu'on appelle des données mortes. Il ne peut pas y avoir écrit maintenant dans un livre la connaissance de mon problème à moi que j'ai vécu personnellement. Donc forcément que la description de la problématique d'un individu, elle est complexe, c'est des phrases, c'est pas une étiquette. Je pense que c'est aussi simple que ça. Là aussi, il n'y a pas besoin de beaucoup de rationalité pour comprendre qu'un mot, c'est pas pareil qu'une expérience qui permet d'illustrer toute une complexité, et en plus qui est unique au monde, qui est individuelle.
Et c'est ça que j'aime dans l'identité virtuelle, c'est que, pardon, dans l'échelle émotionnelle, c'est que le déroulé est absolument unique et ne correspond qu'à cette personne. Il n'y a aucun livre sur la planète, aucun stage sur la planète qui peut décrire ça. Il n'y a que cette personne qui peut se découvrir vraiment. Pourtant, c'est juste une base. Là, ce que je dis rien de très spécial. Hein. Je dis juste, n'imaginez pas que d'autres humains qui ne vous connaissent pas vous ont compris. Ça n'a pas de sens. Le seul humain qui peut vous comprendre, c'est vous. Et il faut juste peut-être qu'on vous aide à aller regarder en vous. Et comment, alors ça, c'est quelque chose qui me passionne peut-être un peu plus, moi personnellement, et qui a peut-être un peu moins à voir avec ton thème, et je te pose la question parce que ça m'intrigue un peu ta réponse. Comment t'expliques que les gens ont besoin autant de s'étiqueter, ont besoin autant de se ranger dans des cases, et peut-être aussi de se rassembler tous ensemble dans une... Ouais, il y a beaucoup de cette recherche identitaire un peu dans la masse collective de moi aussi, j'ai vécu ça, je suis comme toi. Et comment tu t'expliques un peu ce besoin de rassemblement là dans des étiquettes? Alors, je vais d'abord coller moi aussi une étiquette, mais après, je vais expliquer cette étiquette. L'étiquette, c'est la résistance. C'est-à-dire qu'a priori, pour moi, ça, c'est de la résistance. C'est-à-dire faire quelque chose qui n'aura pas de conséquences, qui ne va pas me permettre d'évoluer, d'avancer, de me confronter à mes décisions, mais qui a l'avantage de me faire croire que je fais quelque chose. Quelqu'un qui va avoir, qui fait une pratique toutes les semaines, tous les mois, il peut avoir l'impression de travailler sur lui, comme on dit. Et si en plus ce travail, je vais le dire du point de vue de l'ego, a l'avantage de ne servir à rien, d'aller nulle part et de pas changer, c'est fabuleux. Ça s'appelle la résistance. Donc le phénomène de résistance psychologique, voilà, là pour le coup c'est une étiquette de psychanalyse que j'approuve dans le sens, il faut juste la comprendre. C'est-à-dire que quand on a justement compris la résistance, on évite de laisser les gens résister. Moi, ça fait partie de mon travail de ne pas trop alimenter la résistance. Et la résistance, si je l'explique un peu plus précisément, c'est la survie de l'ego. L'ego, donc, qui est une structure identitaire qui souvent se construit dans l'enfance et qui est en décalage. Mais comme on y est identifié, c'est presque comme une personne en nous. On a beaucoup de métaphores comme ça, comme si on est habité par quelque chose, ben cette chose, elle veut vivre. Et le fait de faire le passage de l'ego à l'être, ben ça va consister à tuer l'ego. Ben l'ego, il ne veut pas mourir, il résiste. Et comme l'ego, on pourrait dire, c'est une façon de dire, là je le personnifie, donc ce n'est pas vraiment rigoureux, mais pour autant, on pourrait dire qu'il a la main mise sur le mental et sur l'émotionnel, il a des moyens de pouvoir énormes. En configurant ça va créer au niveau mental ce qu'on appelle aussi en psychanalyse la rationalisation. Donc ça, moi je l'observe régulièrement, des gens qui ont quelque chose à régler, prennent conscience de ce qu'ils ont à régler, prennent une décision, cette décision les met derrière dans forcément un émotionnel difficile parce qu'ils ont quelque chose à dépasser, à transcender, ils ont des peurs à faire face, et comme par hasard là ils trouvent une idée de génie qui leur permet de faire marcher derrière et de revenir à ce qui est confortable. Et donc ça, c'est le mécanisme de la rationalisation. Bah, c'est très confortable de faire plein de stages, de lire plein de bouquins, d'aller voir quelqu'un tous les mois, sans avoir à prendre des décisions pour changer sa vie. Par contre, la seule manière de changer, c'est de changer. Moi, je le dis toujours, hein, ça fait partie de mon cadre quand je fais des entretiens. Il y aura aucun changement dans les entretiens. C'est pas moi qui vais vous faire changer. Moi, je vous donne des outils et je vous prépare à ce que vous changiez votre vie. Vous avez à changer votre vie. Vous avez à prendre des décisions, à changer vos relations. C'est la seule manière de changer, quoi. Changer, c'est changer. Ce qui me ramène à la notion de discernement aussi, parce que je crois que c'est toi que j'avais entendu pas mal critiquer. Le mouvement du développement personnel avec justement ce côté un peu charlatanisme, on utilise un peu tous ces mots là, l'ego, je sais pas quoi, le dépassement de soi, la meilleure version de moi-même et tous ces trucs un peu à outrance, et ça devient très très marketing tout ça, et je pense quand je t'entends parler, je me dis voilà, tu peux utiliser ces termes, mais tu les utilises avec discernement. Et voilà, aux personnes aussi de faire preuve de discernement pour est-ce que j'ai vraiment envie de changer, est-ce que j'ai vraiment envie d'avancer, ou est-ce que je rentre dans des processus d'identification un peu collectifs qui sont là pour rassurer l'ego plus qu'autre chose, quoi. Bah, c'est ça, et puis il faut comprendre qu'encore une fois, l'ego qui crée la rationalisation va beaucoup s'intéresser juste à des concepts, à des idées, à des explications, mais tout ce qu'il faut pour ne pas mettre du muscle à un moment donné et changer. Donc l'important, le discernement de base, pour moi, il est là. C'est changer, c'est changer, j'y reviens.
à un moment donné, il faut prendre des décisions, il faut mettre du muscle pour faire des choses qu'on n'a jamais fait avant dans la vie, qu'il faut faire. La plupart du temps, c'est des choses qui font très peur, voire qui sont terrorisantes, et qui cessent de faire peur une fois qu'on les a faites, parce qu'on croit qu'on va mourir là-dedans, que ce n'est pas possible pour nous. Et miracle, quand on le fait, on se rend compte que en fait, c'est facile. De très, très, très nombreuses fois, j'ai entendu cette idée que les gens, donc, après avoir réussi vraiment à transcender quelque chose, me disent « mais je ne comprends même plus comment je raisonnais avant pour ne pas le faire. » C'est-à-dire, ça m'a pris 10, 15, 20 ans à faire ce truc. Maintenant que c'est fait, c'est facile, en fait. Mais j'ai passé 10 ans à penser que ce n'était pas possible. Alors qu'en fait, non seulement c'était possible, mais c'était facile. Et depuis que je suis sorti, tout est beaucoup plus simple. Donc voilà, il y a effectivement ce phénomène. Et pour moi, le discernement, c'est le cadre de, on peut faire une chose complètement dans le cadre de l'ego et de la résistance, et on peut faire exactement la même chose dans cette ouverture au changement. C'est juste que du coup, les conséquences de cette chose vont n'avoir aucun rapport. Quand je le fais avec discernement, la chose que j'ai fait va conduire derrière à ce que je retourne dans ma vie. Est-ce que je change quelque chose? Et si je le fais dans le cadre de l'ego et de la résistance, bah derrière, je vais juste être content, je vais sortir du stage ou de la thérapie. Ouais, c'était trop bien, j'ai eu plein de sensations, ça vibrait un max, c'était génial, fabuleux. Donc, on ne tarit pas d'éloges sur ce qu'on a fait. Mais moi, toujours, quand quelqu'un me dit ça, je dis « Ok, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie ?» Et là, on sait si la personne, ça lui a effectivement été psychologiquement utile ou si c'était purement de la rationalisation égotique. Donc, le seul critère, le discernement, c'est qu'est-ce que tu as fait de ce que tu as appris. Mais il n'y a aucun apprentissage en soi qui est bon ou mauvais. C'est pour ça que je ne critique pas des méthodes. Je dis juste, regardez si la méthode, elle porte des fruits très concrets et si concrètement, ça vous rend heureux, si concrètement, vous êtes capable d'être une nouvelle personne, en fait, d'avoir transformé des choses. Alors, je vais revenir un petit peu parce que là, on pourrait partir pendant des heures et des heures sur ta pratique, sur ta manière justement de définir les choses, et c'est passionnant. Si je reviens sur une question justement très concrète, à quoi ressemble ton quotidien? Comment est-ce que tu vis en ce moment particulièrement? Je sais que c'est assez particulier. Est-ce que tu veux bien nous en parler? Alors, le discours général, c'est que j'ai pas vraiment de quotidien dans le sens où mon quotidien n'est jamais le même. C'est-à-dire que ma vie est très, très variable depuis longtemps maintenant. C'est comme si j'ai eu plein de vies. Donc pour moi, le truc principal, c'est ça. J'aime bien dire que je ne sais pas du tout ce que je ferai l'année prochaine et je ne veux surtout pas savoir. Parce que pour moi, si là maintenant, je suis capable de concevoir ce que je vais faire l'année prochaine, c'est que je n'ai rien fait pendant un an, je n'ai rien appris. Parce que je veux que l'année prochaine, ce que je fasse, ce soit impensable pour moi. C'est que je veux que pendant cette année, j'ai fait tellement de découvertes que ce que je vais être capable de produire l'année prochaine, je suis incapable de le produire maintenant et je suis incapable de le penser. Donc là, ça fait un quart de siècle, je dirais, que ma vie est comme ça, que ça change tout le temps, que j'ai plein de vies, que je fais... Voilà. Là, en ce moment, je suis en vie nomade. Je vis dans un camping-car. Donc même, je ne sais pas où je vais dormir ce soir, par exemple. Donc tu vois mon quotidien je vais le dire autrement, ma sécurité et ma stabilité, elle est plus j'avance en âge, plus elle est tellement intérieure que l'extérieur, il y a quasiment plus d'intérêt pour une sécurité extérieure ou pour une stabilité extérieure. Plus j'avance, plus je sais que de toute façon la vraie stabilité et la sécurité, elle est dedans. Donc je peux changer de métier, de vie, de situation de vie, etc. Donc principalement, si je dois décrire fidèlement, tu vois, je pourrais te décrire mon quotidien maintenant, mais si je te décris le quotidien que j'avais il y a 6 mois, ça n'avait aucun rapport, en fait. J'étais dans une maison. Donc ça change tout le temps, je veux que ça change tout le temps. Et en même temps, c'est pas du tout instable, c'est tout le contraire. C'est juste que ma stabilité, elle est dedans, elle est profonde, elle est psychologique, elle est dans mon être, en fait. Et donc, plus j'ai la stabilité dans mon être, moins j'ai besoin d'en avoir dans mon faire, et puis encore moins dans mon avoir. Je n'ai pas besoin de stabilité dans mon avoir, donc je n'ai pas besoin d'avoir une maison, je n'ai pas besoin d'avoir un pays, d'avoir une nationalité, d'avoir un métier. Si demain, je dois arrêter d'être thérapeute et faire autre chose, c'est déjà OK pour moi. J'ai déjà pensé plein de fois,
j'ai déjà vécu que mon être, à un moment donné, je vais donner un exemple de ça. Je faisais des photos à un moment donné, donc c'était un de mes métiers, j'étais photographe, alors un photographe très, très, très alternatif. Et j'ai été très surpris, parce que moi, je faisais ça pour m'amuser, pour faire des belles photos avec des humains. Donc moi, mon intention, c'était de m'amuser, faire des photos, de faire des belles photos, de faire de l'esthétique avec des personnes, faire des photos avec des gens. Et certaines séances sont vraiment tournées à l'aide, pas dans le sens où je me suis mis à aider les gens comme je savais l'air dans des entretiens d'aide, mais juste que la séance photo a changé la vie de la personne, ça a fait un gros déclic psychologique et ça a basculé. Ouais. Et ça, ça m'a perturbé. Et puis mon ego, ça lui a pas plu parce que je me disais, punaise, là, moi qui fais tant qui prend tant de soins, tant de sérieux à aider les gens dans le cadre d'entretiens, déjà, ça, c'est une évidence. Mais ça, par contre, je m'en suis rendu compte. C'est que c'est surtout la personne qui change. C'est pas moi qui résout le problème. Mais vis-à-vis de mon efficacité dans ma présence, c'est mon être qui aide. Et peu importe si je suis photographe ou si je suis thérapeute, là, j'ai vraiment vécu. C'est là où j'ai mieux compris ce que c'était l'être. C'est l'être, il n'y a pas de forme. C'est la façon. Et par contre, quand je suis photographe, je suis vraiment photographe, un peu comme j'investis le thérapeute. C'est-à-dire, je suis moi. Dans ce métier de photographe, je me suis rendu compte que c'est ma façon d'être qui apporte un espace à l'autre pour qu'il se regarde et qu'il change. Et c'est pas important si je suis thérapeute. Donc la forme n'a pas d'importance si je suis photographe, thérapeute. Même à un moment donné, je donnais des cours de guitare, j'ai eu des aventures similaires. Donc je sais qui je suis. Je suis plutôt un aidant. Après, je sais pas pourquoi commencer comme ça. Mais quand je suis moi-même libre, que je m'amuse, ça aide les autres. Ouais. Ça, c'est, je dois l'accepter. Ça me dépasse. Donc ça, c'est qui je suis. Et je sais que la forme que je prends, elle a une importance. Il faut bien que j'investisse une forme. Donc là, j'investis la forme de thérapeute en ce moment. Mais si demain, je dois arrêter de faire ça, je m'en fous complètement. Je n'ai pas de problème avec ça. Je ne suis pas du tout identifié à ce métier. Ma stabilité, donc c'était ça le fond de mon discours, elle est dans ma façon d'être. Et vu que personne ne peut m'enlever ma façon d'être, je sais que quoi que je fasse, je serai aidant. Si demain, j'ai envie d'être chanteur ou guitariste, je serai aidant aussi. D'une manière qui sera différente, mais qui m'épanouira tout autant. Super. Mais du coup, en disant ça, tu me donnes envie de reprendre la musique, là. Il y a peut-être une dernière question. Alors, parce qu'en fait, quand j'ai lancé ces ateliers, ce que j'avais en tête derrière, c'était de présenter les différents archétypes du zodiaque, mais avec comme idée de montrer comment est-ce qu'on peut œuvrer à partir de chaque archétype pour le monde de demain, ce que j'appelais le monde de demain. Parce que voilà, on est dans une phase actuelle où on voit bien que tout est en train de partir en cacahuètes, pour ne pas dire un autre mot. Le fameux effondrement, on entend ça de plus en plus. Et du coup, j'ai choisi des personnes comme ça qui, dans leur domaine et par rapport à un archétype particulier, font des choses dans leur quotidien ou sont en lien avec les humains de telle manière qu'ils œuvrent déjà, je trouve, moi, pour autre chose, pour essayer de proposer d'autres manières de faire, d'autres fonctionnements. Comment est-ce que... je trouve que tu as déjà bien répondu à cette question avec tout ce que tu nous as dit, mais... Est-ce que plus particulièrement, t'aurais quelque chose à dire par rapport à ça ? J'ai eu toute une phase de ma vie où j'étais plus justement dans le faire, dans des faire alternatifs. Je me suis beaucoup investi dans des éco-villages, donc dans des manières de vivre de manière alternative, dans l'écologie, etc. Et je dirais, sans rentrer dans les détails, que j'ai expérimenté les limites de ça. Et là aussi... Là, maintenant, si je suis honnête, ce que je donne le plus comme énergie pour éventuellement que les humains vivent une autre société, de toute façon, c'est que je me suis concentré sur là où je suis meilleur, c'est-à-dire cette transmission de la souveraineté psychologique. Donc, clairement, pour moi, c'est la meilleure manière, c'est là où je suis le meilleur à aider pour une autre société. Ça m'est évident que quelqu'un qui est souverain émotionnellement et mentalement, on va pas pouvoir le conditionner comme malheureusement on est témoin que c'est très facile actuellement. J'ai une manipulation et un conditionnement des masses qui est assez effrayant de mon point de vue, qui est hyper efficace. Faut le reconnaître. On dit souvent que nos dirigeants sont nuls, qu'ils sont incompétents, etc. C'est pas mon regard. Mon regard, c'est qu'ils sont hyper excellents, hyper compétents. Maintenant, ils sont pas dans la fonction prétendue. C'est pas des fonctions de responsables politiques. C'est des fonctions de manipulateurs des masses. Ils sont hyper doués, hyper efficaces. Et les résultats sont bluffants.
là-dedans, l'autre activité citoyenne que je vais avoir, c'est simplement de la communication. C'est-à-dire que je ne cesse d'alimenter le monde de toutes les manières que je peux avec les informations que j'ai, que je pense le plus fidèle possible au réel. Donc je communique inlassablement, sans m'attacher aux conséquences. Donc je suis pas dérangé, perturbé par ça, ni par les réponses, ni par le manque d'intérêt. Je m'en fous. Je fais ma part. Je communique sur le sujet. Que ma subjectivité trouve importante. Mais pour moi, c'est important. On en est là. Il n'y a pas de collectif, de mon point de vue, qui est sérieux à vouloir construire une autre société. Ça n'existe pas. Ou ce qu'il y a, j'essaye un petit peu. Il y avait Solaris qui était intéressant. Je me suis un peu intéressé. Mais pour moi, il n'y en a pas. On n'en est malheureusement pas là. On n'en est pas au stade d'être un groupe et de pouvoir être actif. Donc, on a besoin d'augmenter un collectif qui pourrait le faire, et on est au stade de la communication. On a besoin de communiquer pour que davantage de gens soient vraiment conscients du monde dans lequel ils vivent, parce que je crois que la plupart des gens n'ont pas conscience du monde dans lequel ils vivent, ou même ne serait-ce que cet outil qu'on utilise tout le temps, qui est la monnaie. Je pense que la plupart des gens n'ont pas compris ce qu'est la monnaie vraiment. C'est dommage parce que c'est très important et c'est un des outils d'alignation le plus puissant. Donc par exemple, voilà, si on n'a pas conscience de l'outil monnaie, je ne vois pas comment on peut créer un monde alternatif, juste pour prendre un cas très précis. Donc je communique sur la monnaie, je communique sur plein de choses. Donc pour l'instant, j'ai ces deux pôles. J'ai un pôle citoyen où je parle avec les réseaux, je peux le faire de la manière la plus libre possible, sans m'occuper des conséquences, ça ne me regarde pas, les gens font ce qu'ils veulent de ce que je dis. Et puis j'ai mon activité d'aider les gens, donc ça c'est aider les individus, aider des collectifs. Je fais de plus en plus des démarches collectives, des ateliers, des choses comme ça, parce qu'on est dans les individus, on aide le monde. Mais voilà ce que je peux dire. Je suis pas très optimiste, mais je m'en fous d'être optimiste, pessimiste. Plus humblement, je ne vois pas comment, là, pour l'instant, de mon vivant, les choses vont évoluer de manière saine. Mais c'est OK aussi. Encore une fois, je m'occupe pas de ce que je... Pour moi, c'est important, ça. C'est que je ne cherche pas à avoir un effet sur le monde. Parce que sinon, c'est trop décevant, c'est émotionnellement trop intense. Donc pour moi, non seulement c'est important de faire quelque chose, sa petite part d'être humain, on n'est rien du tout un être humain vis-à-vis de cet enjeu-là, c'est très important de le faire quand même. Et je trouve que c'est ça qui manque. Il y a trop de gens qui baissent les bras, qui se résignent, qui n'osent pas ouvrir leur gueule, qui n'osent pas dire qui ils sont, qui ont peur de se tromper, alors que oui, vous allez vous tromper, c'est normal, tout le monde se trompe, mais les gens puissants qui manipulent tout le monde, eux, c'est même pas qu'ils se trompent, c'est qu'ils mentent, et ils n'ont pas de problème à le faire. Donc il faut se tromper, il faut dire les choses, et pour ça, il faut n'avoir aucun intérêt pour les conséquences de ce qu'on dit. C'est-à-dire qu'on dit que comme une rose, la rose, elle ne s'occupe pas de savoir ce qui va être fait de son parfum, mais elle diffuse son parfum. Et peut-être qu'il va y avoir des abeilles qui vont venir, peut-être pas, je ne sais même pas de quoi elle a besoin, la rose, en vrai. Mais voilà, je suis une fleur qui diffuse son parfum avec la façon la plus puissante possible. Et le reste, je m'en fous, mais vraiment complètement, je n'ai aucun intérêt, ça ne me regarde pas en fait. Je vais presque dire, ce n'est pas que je m'en fous, c'est que je respecte. Je respecte le droit sacré que les gens ont de n'avoir aucun intérêt pour ce que je raconte, de penser que je suis fou, de penser que je suis dans l'erreur. Ils ont le droit, j'ai aucun problème, je dépense pas d'énergie à ça. Je dis mon truc, je sais que je suis le plus vrai, le plus sincère possible, et c'est la seule chose qui m'intéresse. Je m'occupe de ma bouche et de mes oreilles, je m'occupe de rien d'autre. Donc je diffuse, et du coup je peux le faire très facilement, parce que quelles que soient les conséquences, ça va pas me toucher. J'accepte à l'avance. Mais super, merci beaucoup Laurent. Je pourrais rebondir sur plein de choses que tu viens de dire et on pourrait continuer pendant 3 heures, mais on va en laisser un peu pour l'atelier du coup, parce que tu m'as dit que tu serais là avec nous. Oui, je serai là. Donc en fait, pour l'atelier, donc il y a 3 heures. La première heure, ce sera un peu plus théorique, où je vais donner quelques infos sur mes recherches, moi, sur l'archétype mercurien, ce que j'ai observé depuis que je pratique. Dans un deuxième temps, la deuxième heure, on regardera ton thème. Et en fait, ça sera un petit peu interactif. L'idée, c'est de voir ce que les gens, en t'écoutant, auront deviné. Et est-ce que c'est vraiment ça qu'on retrouve dans ton thème ou pas? Pourquoi est-ce qu'ils ont entendu des archétypes qui ne sont pas forcément présents, etc. Donc ça va être un petit jeu comme ça sur ton thème. Et puis la troisième heure, ce sera plus des échanges avec toi, donc des questions peut-être plus sur ta pratique, ton parcours. Voilà, donc c'est chouette que tu sois là, parce que ça permet
de poursuivre aussi cet échange qu'on vient d'avoir et puis de le rendre plus interactif avec, avec d'autres personnes. Et moi, ça m'intéresse beaucoup. Bon, super. Merci en tout cas du fond du cœur pour avoir accepté de participer. Puis aussi pour être là du coup le 18 juin. J'ai hâte du coup de te retrouver et qu'on découvre ton thème. Puis qu'on voit un petit peu comment ça fait réagir les gens. J'ai hâte aussi. Bon, super. À très bientôt alors. Je te souhaite une très belle journée. Toi aussi. Ciao. Salut. Ciao.